as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. Thank you.
as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment. Your suffering will be legendary, even in hell. Even in Hell, partie 2, partie 2 de ce qui s'annonce être un excellent Fatal Frame, Fatal Frame 4, Project Zero 4. Hier soir, nous en avons streamé une heure vingt. On va passer à l'épisode 2, mais tout d'abord, on va faire un rapide résumé. Le jeu nous le propose, donc c'est très bien, c'est très rapide à lire, mais ça nous permet d'avoir un résumé de ce qui s'est passé hier. Île de Rugetsu, sud de Honshu. Il y a 10 ans au Japon, 5 filles furent enlevées lors du Kagura de l'île de Rugetsu. Un détective les retrouva sauves, mais toutes avaient perdu la mémoire. 2 ans plus tard, sur l'île des insulaires... Non. 2 ans plus tard sur l'île, des insulaires disparurent. La police confirma la plupart d'entre eux étaient introuvables et que certains avaient été retrouvés morts, mains au visage, comme s'ils avaient vu quelque chose de terrifiant. Finalement, l'enquête ne fut jamais résolue. L'île de Rugetsu devint inhabitée. À présent, 2 des 5 filles enlevées, Misaki Azu et Madoka Tsukimori, sont revenues sur l'île suite au décès de leur amie, Marie et Tomoe. Marie et Tomoe avaient aussi été victimes des rapts 10 ans plus tôt. Leur mort rappelait celle des insulaires. Misaki pensait qu'un lien existait entre ces événements
et entraîner Madoka au manoir de Rujetsu pour découvrir la vérité. Toutefois, Madoka, alors Madoka c'est celle qu'on incarne, a été séparée de Misaki et a trouvé un étrange appareil photo. Dans l'objectif, elle a vu un esprit. Encerclée par des fantômes, elle s'est évanouie. Ah non, Madoka c'est celle qu'on a incarnée hier, mais au début, dans le préambule. Nous on est Ruka, voilà. Et on est arrivé sur l'île. Donc hier on a réussi, dans ce petit KGB ici même. Hein, je vous raconte pas de conneries, je vous raconte pas de bêtises. Le chien vous a même pas salué, tu peux leur dire bonsoir. Merci. Dans ce petit KGB ici même, on a réussi à mettre, avec une chance inouïe, on a réussi à remettre le courant, enfin l'électricité, enfin bon, ce qui permet d'ouvrir la grille. Et là du coup, on monte à l'étage. Investir. Est-ce que je peux faire une photo? Oui. Patient vers les chambres. Alors il y a une chose qui est vachement bien, parce que j'ai vu ça déjà hier, c'est que là je viens de faire la photo de la patiente là, et de la nurse là qui la suivait. Mais si on va directement, non pas dans, pas dans la carte, mais dans les documents, tout de suite, si on va dans images, ah non là on l'a pas, non c'est dans fantôme peut-être, voilà fantôme. On a l'enfant fuyant, infirmière, patient vers les chambres, voilà c'est la toute dernière que j'ai faite. Alors on a un petit descriptif. Certains patients montent chaque jour l'escalier pour gagner leur chambre. Ceci perdure même après leur mort, tel un cycle sans fin. Très bien. Je donne un peu de background. On va peut-être pas le faire pour toutes les photos. Hein. Mais bon, ça nous dit au moins par où nous diriger maintenant. Vous avez vu en bas à droite? Ça scintille. Hein. Alors ça va être tout un merdier parce que je vous rappelle que je suis à la Wiimote, on est sur Wii U. Salut Léa, comme des soleils tout nus. Ah bah non mais ça c'est... Ça c'est Nictaras. Bonsoir Nictaras, bonsoir tout le monde. Le chien tu peux leur dire bonsoir. T'as salué le chien? On va examiner. Bureau de gestion, Natsubata, est écrit sur la vitre. La pièce est visible entre les rideaux, mais elle est plongée dans l'obscurité. Ah c'est vrai que pour notre héroïne c'est la première fois qu'on vient là. Nous, évidemment, on y a été hier, avec Madoka. Ça s'est unlocké tout seul, là. Hein. Voilà. Le chien vous salue. Alors. Qu'as-tu dans ton panier? Petite pièce. Pour l'instant, rien ne s'éclaire. Ah si, ici, il y a quelque chose. Alors encore de... C'est bien, c'est bien. On nous file beaucoup de soins. Alors je sais pas si les monstres font beaucoup de dégâts dans ce Fatal Frame. Dans le 2, ils en faisaient très peu. Dans le premier, ils en faisaient pas mal. Dans le 3, pas mal aussi. Et alors dans celui-ci, je sais pas. Et je sais pas si les soins soignent énormément non plus. Bon, ben... Ah, ouvrir. On peut ouvrir le robinet? Ah non, on peut ouvrir la porte. Ben, c'est tout, hein. Ça m'a l'air... Hein, pas dire de bêtises, mais ça m'a l'air d'être tout. Il y avait un... Ah, examiner. De l'autre côté de la vitre, des blouses d'infirmière et de l'équipement sont entreposées. Ok. Et regardez-moi ça, ce geste habile. Ah, ça a pas marché. Ah si, voilà. Ah, c'est un... vous faites un loto. Alors je le dis pour les gens qui nous rejoignent ou qui nous regardent sur YouTube. Nictaras, qui est modérateur, a fait un loto avec toutes les phrases que je répète régulièrement. Donc à chaque fois que je dirai une des phrases qu'il a lui-même choisi avec ses comparses, j'imagine qu'ils doivent boire un coup. Voilà, ceci étant dit, on replonge dans le jeu. À mon avis, je vais les faire boire. Parce que ce malheureux a eu la mauvaise idée de montrer la grille. Mais bon, même sans la grille, je pense que j'aurais répété toutes ces phrases. Bon, j'ai décalé un petit peu le jeu pour que vous ne souffriez pas de la coupure des sous-titres. Alors ça fait une petite barre noire à gauche, mais bon, comme ça il y a le chat. Oula, 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 oula. Et voilà, moi je t'ai eu en photo, putain je l'ai eu celle-là. Hein. Femme accueillante. Ouais, pas très accueillante. Du coup, je sais pas à quoi servent les points. Hein.
Je vous rappelle que avant les points servaient à upgrader, mais vu que là maintenant on upgrade avec des cristaux, quelques feuilles de papier sont attachées au tableau. Le texte écrit sur les feuilles est devenu illisible. D'accord. Ah, examiner. Il y avait quelque chose par terre là. Hein. On l'a tous vu. Mémo de Madoka. Ah, hier on en a eu 3. Donc on est bon là, on est dans l'ordre. C'est le quatrième. Ça ressemble à une page de carnet. Madoka en est apparemment l'auteur. Je ne dois pas regarder son visage. Quand je regarde son visage, je ne comprends pas. Son visage n'est pas normal. Quand je regarde son visage, n'est pas normal. De même pour les deux autres. Bien mystérieux tout ça. Il y avait autre chose à regarder là. Hein. Voilà, examiner. Des magazines sont rangés dans le porte-revue rouillé. Ils s'émiettent lorsque vous les touchez et leur contenu est illisible. Vous avez vu, ils ont quand même fait une sacrée traduction. Hein. C'est quand même vraiment bien foutu. Hein. Comme une officielle. On peut ouvrir? Non. La porte est solidement fermée. La poignée de porte est manquante. Il est impossible d'ouvrir la porte. J'aurais tellement aimé avoir... Là, oula. Allez, allez, mais putain. Putain, je l'ai eu. J'ai pas le réflexe d'utiliser la Wiimote. Enfant filant dans sa chambre. J'ai la table devant moi, alors c'est pas simple. Ok. On l'a eu. C'est ce qui compte. Je sais pas comment je pourrais me démerder. Voilà, comme ça, mais bon. C'est pas top. Quand ça va être des fights, ça va être sympa. Hein. Là, je peux examiner aussi. On dit pas poignée de porte, mais clenche, voilà, déjà. La porte est brisée et bloque l'entrée de la pièce. Il semble y avoir un immense désordre à l'intérieur. Bon, si c'est ce genre de commentaires que j'ai sur le chat, on va pas être copains. Hein. Déjà, je vous le dis. Bon, je... Des fois, je me demande si c'est une cinématique, mais non. J'étais certain qu'on ne pouvait pas rentrer dans la pièce. Oula. Il y a le chat qui merdouille quand je fais ça. La pièce est encombrée de toutes sortes de choses. D'où proviennent-elles? Ah oui, j'ai un problème avec le mode cinématique. Alors attendez, je change ça tout de suite. Me donner une seconde. Oui, parce qu'on le voit du coup, comme j'avais détourné le... Enfin bon, c'est ma petite tambouille. On le voyait du coup, le chat en arrière-plan, enfin il était pas bien caché. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'était un vrai cadeau celui-ci. Allez, bah voilà, pellicule de type 14. Pour l'instant on avait que des pellicules de type 7, ce qui nous permettait uniquement de... Alors on va le lire, hein. Pellicule... Plus le type de pellicule équipé est élevé, plus vous infligerez de dégâts aux fantômes. Voilà. Tout à l'heure, on avait que le pellicule 7 qui est infini, mais bon, de très très mauvaise qualité, de mauvaise facture. Là, le 14, c'est les dégâts moyens, quoi. Dans le menu équipement, oui, bon, bah ça, on sait. Attendez. Vous pouvez changer de pellicule dans le menu ou avec les boutons droit et gauche de la croix. Ah, mais oui, mais ça, c'est bien. Regardez. Quand on est comme ça, je peux changer, là? Eh oui. On va rester là-dessus, sur ce de moyen. Examiner. Vous avez ramassé une vieille cassette. Et on a ramassé un magnétophone. Bon, du coup, on va pouvoir écouter ça. Hein, c'est pas délirant de penser qu'on puisse l'écouter. Si je vais dans documents. Non. Dans archives. Voilà, médias. Regardez-moi ça.
Parce que tout à l'heure, quand j'étais hors ligne, j'ai vu que l'appel téléphonique, on l'avait, on pouvait le réécouter. Donc là, on peut écouter la cassette. Alors, c'est une cassette d'entretien médical avec Himiko Kiriya, une patiente atteinte du syndrome de Getsuyu. Allez, on va s'écouter ça.月が見えて、月を見ると少し落ち着くんです。いつからですか？前の祭りの後からです。祭りの終わっても、まだあの感覚が続いているような。それはどういう？どんどん自分が溶けて、なくなって、何か忘れてはならないことがあったのに。 何か忘れたことも思い出せなくなっているような気がするんです。そうか。まずこの薬を安心してください。必ず解放に向かいます。あの音楽は何です？あの音楽を聞くたびにまた。 やめてください。やめて。わかりました。あなたには特別な治療をしましょう。ああ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 
Donc j'ai cru lire que Nick Taras me disait que ta femme te fait des sushis maison. Une excellente chose. Ça met un peu de temps. Mais oui. Mais comme les puristes le disent, chaque temps perdu, c'est du temps de gagner, évidemment. Des livres et un poste à galène sont éparpillés dans l'armoire cassée. Les livres sont tous en très mauvais état et ne semblent plus être d'aucune utilité. Ben, je l'ai déjà lu. Ok. On va continuer à regarder. Allez, qu'as-tu dans ton panier ? Journal d'un garçon. Un journal rempli de gribouillis se trouvait là. 6 avril, puis... Aujourd'hui, j'ai encore trouvé quelque chose à moi. Cette fois, c'était dans la salle à manger. C'était mon masque. Ah, mais on cherche un masque, nous. Ils l'ont pris sans rien dire. Ils ne m'ont pas demandé la permission. Ils auraient dû le laisser là où il était. Je l'ai retrouvé aujourd'hui. J'ai bien caché le masque en dessous de mon lit. Ah ah. En dessous du lit. En dessous du lit. Ils ne le prendront plus. Je leur interdis. Ok. Donc maintenant on sait que le masque manquant va être en dessous du lit. Bah il va être là, regardez. Oula 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 oula. Oula 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 oula. Je me retourne. Putain, ça va être chaud avec la Wiimote. Putain, j'ai loupé. Oh putain, j'ai eu du bol. Non mais non, j'ai pas eu de bol. Oh, ça va être chaud les combats. Oh putain, et je tape dans le micro. Attendez, déjà je me remets de la vie. Oh lolo, c'est chaud avec la Wiimote. Herbe médicinale, oui. Oulala. Je recule le micro. Il faut que je me mette en condition. C'est chaud, hein. Allez. Oh putain, mais c'est chaud, ça. J'y arrive pas, hein. Ouais, je vais y arriver, mais... Il est où ? Allez, c'est bon.
Ah, c'est pas la même tambouille que sur. C'est bon, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh mon dieu. Ah, c'est plus compliqué. Oui, c'est façon de Johan, lui. Hein. Le garçon a laissé un journal derrière lui. Il n'est plus encore là. Mais en tout cas, les combats sont. C'est merveilleux. C'est difficile, mais c'est sympathique. Il y a un petit peu de challenge. Il n'est encore plus là. Quelqu'un l'a volé. Ah, il est plus sous le lit, le masque? S'il ne le rend pas rapidement, je vais disparaître petit à petit. Qui c'était? Il doit le rendre, le rendre, le rendre, le rendre. Je disparais. Il doit le rendre. Ah mais non, il est bien là, il est sous le lit, là. Je vois que c'est un masque. Un vieux masque se trouve au sol près du lit. On le ramasse. Putain, il m'a surpris le gamin, là. Ce masque ressemble à ceux de la salle à manger. Il manquait justement un masque là-bas. Masque érodé. Ah, j'ai le chat en retard, là. Nick Taras. Tue-le, ce maudit gosse. C'est déjà mission accomplie. Ils vont nous redonner un peu de vie, là, je pense. Non, des cristaux bleus. C'est vrai que j'ai mon pouvoir spécial, hein. Je l'ai pas fait. J'aurais pu. Qu'est-ce qu'on fait? On se remet un peu de vie, là. Hein. Ah oui, je suis pas bien, là. Ah, ça risque d'être tendu, le jeu, un peu. Bon. Même si je mourais, j'avais une pierre pour me remettre d'un peu de vie. Bon, on a le masque. On fait du backtracking. Je n'ai rien à faire. C'était une sorte de cinématique fixe. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Non, toujours la même chose. Des livres et un poste à Galen sont éparpillés dans l'armoire cassée. Les livres sont tous en mauvais état et ne semblent pas plus être d'aucune utilité. Bon, très bien. Elle a voulu nous faire passer un petit message, mais je sais pas lequel. Tu dois avoir une latence d'une bonne minute entre le chat et l'affichage. Oui, c'est possible. Ou c'est vous? Ah, c'est tentant, ça donne envie d'aller voir. Il y a un petit truc là-bas. Mais c'est un piège, hein, c'est sûr. Oh, je le sens pas, là. Non, c'est bon. Fonction d'équipement, alarme. Vous avez ramassé une fonction, alarme. Ça va m'aider, hein, je pense, pendant les combats. Équiper la caméra obscura et la lampe spectrale de fonctions pour leur rajouter des caractéristiques. Les fonctions obtenues sont automatiquement installées. Ah bah très bien. Dans menu équipement configuration, choisissez les fonctions équipées. Notez que la lampe spectrale ne possède pas de fonction alarme ni esquive. Ok. Ok, donc là c'est automatiquement de quoi, de qui? Si je vais dans équipement... Voilà, j'ai déjà cette fonction. Fonction ajoutant diverses aptitudes à la caméra obscura ou à la lampe spectrale. Une fonction qui indique l'instant du cadrage fatal d'un fantôme. Ok. Allez hop, on se casse. On se casse du menu. Et alors là, cette petite porte, on tente de l'ouvrir quand même? Ça va être fermé, voilà. Bon. C'est très bien. Très bien que ce soit fermé. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'aime bien être... Donc j'aime bien être un petit peu enfermé, comme ça nous laisse peu de possibilités, on peut pas se perdre. Bon, je reste sur mes filtres. Billy, salaud. Pourquoi Billy? Merde, c'est de latence, c'est plus important que je ne le pensais. Bah oui, parce que là je vois plus. Ah, mais très bien, au sacré. Utilisez cet objet dans le menu objet pour récupérer toute votre santé. Bon, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Une vieille commode japonaise repose là. Des blouses y sont rangées et devaient servir aux examens médicaux des patients.
Bon allez hop, très bien. On retourne à la salle à manger. J'ai pas essayé toutes les portes. Alors, oula. Qu'est-ce qu'il y a, bouge pas. C'est tendu. Oh merde, mais quel con! Non, c'est bon. J'ai rattrapé le coup. C'est tendu à faire les photos. Elle est où? Allez, c'est bon. Ah oui, pour faire mon pouvoir spécial, il faut que je remplisse la jauge. Vous voyez en bas à gauche? Ah bah non, vous la voyez pas, juste derrière moi. Ah si, vous la voyez. Vous la voyez, qu'est-ce que je raconte? Elle est pas encore remplie, là je pourrais me faire un coup de bouton C et le pouvoir spécial. Mais alors ça ne répond pas toujours à quoi va nous servir les points. Ah oui, Nictara, je voulais te demander avant que le fantôme arrive, pourquoi t'as marqué Billy? J'ai pas compris. Ah, il y avait un truc là qui s'est éclairé. Hein. Pas fou. Attendez. Il y a un truc là par là. Ah voilà, faut éclairer. Ah, 5 cristaux. On va pouvoir upgrader le... On va pouvoir upgrader un petit peu. Ou alors on les garde pour plus de puissance. Bon déjà on fait une petite save. Je suis désolé, la sauvegarde du pauvre. Mais là c'est les premiers fantômes et déjà j'ai un peu de mal. Parce que je suis tout près de la télé, c'est pas simple. J'ai pas l'habitude. Quitter le menu de sauvegarde, oui. C'est bon ça, sauvegarder. Non, je voulais faire un rapport entre la latence du chat et au jeu auquel tu as joué il y a des mois. D'accord. Tu vois, j'y ai même pas pensé que tu me faisais une petite blague. Une petite boutade, une petite blagounette. Ouais, bah oui, la sauvegarde du pauvre, évidemment. Attendez, là, il y a quelque chose là. Voilà. J'aime bien cette idée de qu'il faille éclairer. Allez hop, on va retrouver des films. Très bon. D'ailleurs, regardez, on va aller dans l'appareil. Dans équipement. On va faire amélioration. On en a combien? On en a 10. Donc la cadence, on peut l'augmenter. Mais à la limite, on pourrait attendre un tout petit peu. Oh putain, c'est 30 pour la puissance. On va économiser, d'accord? On va être économe. On sait l'être parfois. Bah, c'était pas ici? Non, c'était pas ici. Je confonds en fait. Quand on a débuté le jeu hier. Non, si on passe par là, c'est ici la salle à manger. Ok. Il faut que je retraverse par ici. Pour plus de frissons. J'ai 37 ans ce soir. Ah, c'est ton anniversaire. Bah écoute, bon anniversaire. Tu peux lui dire bon anniversaire. Tu peux lui souhaiter son anniversaire, s'il te plaît, le chien. Voilà. Je savais pas que... Ah oui, t'es du mois de mai. Bah alors, on s'appelle pareil. On s'appelle Romain tous les deux. Et en plus, tu t'es du mois de mai. Comme moi. Moi, je suis du 15. Ah, on peut rentrer ici. Ah mais oui, c'est le musée Ozu. On connaît. Non. On retourne plus là. On va aller directement à la salle à manger. On va faire le jeu dans l'ordre. On va pas essayer de faire le malin.
Là, une petite latence, mais ça va. Elle m'intrigue quand même, cette porte. Depuis le début. Voilà. Voilà, là on retombe sur la pièce principale. On va refaire une petite save du pauvre. Hop. Vous vous souvenez, hein. Tout temps perdu, hein. Là, c'est du temps de gagner. Voilà. Et enfin, on va pouvoir aller dans la salle à manger qui se trouve pile devant nous. On peut encore examiner là ? Des photos sont éparpillées dans le tiroir et sur le dessus de la commode. Tous les clichés sont décolorés et il est impossible de déterminer ce qu'il y avait dessus. D'accord. Je vais m'y faire, hein, la caméra obscura. C'est juste une question de lévitation upside down avec la Wiimote. Bon, on a tout looté ici. Hein. Normalement, il devrait plus y avoir quoi que ce soit. Ne sauvegarde pas trop du pauvre, les bois à chaque fois. Ah, parce que chacun a sa phrase. Hein, comment ça se passe? C'est quoi les règles? Quelle règle démoniaque vous avez déterminée? Qu'est-ce qu'il y a dans la marmite là? Si c'est une marmite. Non, c'est pas une marmite. Dis donc, c'est drôlement joli cette petite tablée là. Ah, il y a quelque chose. Vous avez vu, ça s'est éclairé. En fait, il faudrait que je... La table me gêne en fait. Il faudrait que je joue plus loin ou... Ou alors c'est de l'autre côté. Hein. Le jeu nous a... Dans Fatal Frame 3, on avait l'habitude. Hein. Ou dans le 2. On avait la petite lueur bleue nous disant qu'il y a un objet. Et puis finalement, ça se retrouvait être un tout petit peu plus loin. Ouais, genre... Mais à mon avis, c'est ça. Allez, on va mettre le masque. Vous êtes prêts pour une cinématique et peut-être un combat? Moi, je suis prêt. Absolument pas. Non, la règle, c'est clé à bois. Après, on trouve des inexcuses avec une grille. Moi, je ne fais que les croix dans les cases. Bon, très bien. Très, très bien. Le sceau de la porte s'est dissipé. Quelle porte? Il va nous dire. Ça, c'est génial. Ah bah oui, on le sait. En plus, c'est dans le musée au zoo. Ok. Ok. Ok, musée au zoo. Déjà, je m'en souvenais plus. C'est vrai qu'hier, on avait un charme sur la porte du musée au zoo. Bon bah c'est tout. Là on peut toujours pas y aller je pense. Ah si. Oh mais on va pas y aller maintenant. On va pas y aller maintenant. Je suis désolé, je vais pas faire mon trouillard, c'est pas ça. Hein. C'est que j'ai pas envie de me perdre en conjecture. On va suivre le cheminement du jeu. On va pas se perdre alors qu'on n'a pas besoin. Mais c'est bien qu'ils aient rectifié le cheminement d'ailleurs. Quand ils nous donnent un élément, ils nous indiquent où se rendre. Moi j'ai perdu énormément de temps dans les trois premiers Fatal Frame à essayer de retrouver mon chemin. Là c'est quand même un petit peu plus sympathique. D'être un peu guidé, voilà. Musée au zoo, il est juste là. Hein. Attendez. Oui, c'est ça. Bah merde, je suis complètement con. Musée au zoo, il est pas... Hein? Musée au zoo? Ah non, c'est après. D'accord. Autant pour moi. J'ai cru que c'était là, moi. C'est juste après.
C'est le fait de streamer, hein. Parce qu'après quand je regarde le live, je me dis bah alors Romain, tu viens de passer devant, comment tu fais pour pas t'en rappeler? Il est juste ici, voilà, sur la droite. Voilà, ça me revient. Allez. Ça chiale. La porte devrait s'ouvrir. Petit temps de chargement, on est sur Wii U, hein. Oh, je sens le fantôme, je sens tout, je sens... Il y a encore une poupée, hein. Voilà, je vous avais dit qu'on pouvait les prendre en photo. Je vais changer le filtre. Voilà. J'étais sûr qu'on pouvait prendre les poupées en photo. La malédiction de la poupée a été brisée. J'en ai vu une autre sous... Il y en avait une autre sous un meuble, hein. Mais je sais plus où. Quelque chose se trouve... Ah, c'est dans le musée d'ailleurs. Quelque chose se trouverait près de la poupée. Poupée Ozuki. Est-ce que vous m'avez marqué comme saloperie? J'ai envie de lui tirer sur la bobinette à celle-là. Ça m'énerve son petit bijou. Ne le regarde pas. Moi, je fais abstraction. Ces poupées rouges, appelées poupées Ozuki, sont des cadeaux traditionnels de l'archipel de Rugetsu. Leur origine est très mal connue. Mais elles semblent avoir été créées par des parents ayant perdu leurs enfants pour le service funéraire. Certaines îles de l'archipel de Rugetsu jugent les poupées Ozuki maudites, mais sur l'île Rugetsu, les poupées ont été postées à différents endroits afin de repousser les démons. Alors, on en a trouvé une, si je me retourne vite fait comme ça, regardez, on va réouvrir la porte, il y en a une autre là, j'ai souvenir. Je le fais maintenant parce qu'après j'ai oublié. Ah, je peux pas ressortir, putain ça sent le fight avec un boss. Ça t'énerve son petit bijou? Enfin, je relis, mais... Examinez. Des masques de diverses expressions sont alignés. Un nom apparaît devant chacun d'eux. Les noms correspondent probablement au créateur des masques. Il y a un truc qui va nous tomber dessus. La bibliothèque est remplie de livres, tous alignés. Le côté obscur du cerveau, au-delà et l'oubli. Les titres des livres sont mystérieux. Moi, j'aime bien. Vous avez vu, là? C'est pas Madoka? C'est Madoka? On peut pas la prendre en photo, Madoka? Cinématique. J'ai pas confiance, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas confiance. Je fais une petite photo pour voir. Merde. Madoka? Non, ça ne sert à rien. Attendez. Je mets l'autre filtre et j'arrête de... Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, d'accord. Oula, 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 oula. Oh putain. Allez. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux lui faire mon pouvoir spécial. Allez, cours, cours, cours. C'est chaud, hein.
Non, il est derrière moi. Oh putain. Mon dieu. Je me remets de la vie. Putain, c'est chaud, chaud, chaud. Il nous fonce dessus et tout. Allez, je vais la voir. Allez, je l'ai eu là. Avec le pouvoir Fatal Frame. Elle est pas morte, hein. C'est bon. Oh là 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 là. Pas mécontent de moi là. Cinématique. Son visage s'est déformé, j'en ai profité pour mettre un peu de liquide dans ma cigarette. Bon, sauvegarder, bah évidemment. Évidemment qu'on sauvegarde. Bon, ça me plaît, hein. Ça me plaît, même si c'est un peu le bordel avec la Wiimote et tout, c'est sympa. Sauvegarde réussie. Merci, merci. Le chien me salue aussi, j'imagine. Sauvegarder l'album. Non, 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 on n'a pas besoin de sauvegarder les photos. C'est pas nécessaire. Ce qui m'a permis de la tuer assez plus rapidement, c'est le pouvoir spécial. J'ai appuyé sur C au vraiment bon moment, ça a fait un Fatal Frame. Cinématique. Oubliez quoi? Phase 2, chapitre 2, Misaki Azu, résonance. On a eu un petit flashback là tout de suite. Ah, on va incarner d'autres personnages. C'est génial. On va incarner Misaki maintenant. Misaki, ben oui. C'est l'appareil photo que j'ai pris avec moi. Depuis quand est-il là? Note du docteur Azu 3. Misaki. Et ce carnet qui parle de l'appareil photo, je pensais pourtant l'avoir sur moi. Ah, on va incarner plusieurs personnages. C'est pour ça qu'on a eu Makota, après on a eu l'autre, et puis maintenant on est de retour avec elle. Ce prototype de la caméra obscura est la concrétisation de mes recherches et sera confié aux descendants de la famille Azu. Il s'agit du premier véritable modèle de la caméra obscura que j'ai conçu en tant que fer de lance de mon travail. Ce modèle constitue la première avancée dans les recherches de mon défunt prédécesseur et pourrait prouver sa théorie. Il n'a pas été testé à ce jour, mais l'hypothèse selon laquelle les images des morts puissent être scellées sur pellicule est plausible. Évidemment que c'est plausible. Il est fort probable que cet appareil suscite de vives réactions de la part des personnes sensibles aux esprits, telles les prêtres et les prêtresses,
La caméra obscura doit être utilisée à bon escient. Et du coup, elle cherche maintenant Madoka, et nous on l'a cherché au tout début du jeu. Hein. Ok, bon, très très bien. Du coup, qu'on se retrouve ici, est-ce qu'on retourne... Bah du coup, t'as plus le pendentif qui va t'énerver, Nyctaras, tu vois. Qu'est-ce qu'on entend? Un bruit provient de quelque part. Alors ça, c'est à la réception, ça. Le petit téléphone, non? Ah, non. Ça fait un autre bruit, un téléphone. Peut-être. Des sonnettes et des portes stylos sont sur le bureau de la réception. La surface dorée des sonnettes s'est écaillée et ces dernières ne fonctionnent plus. D'où on entend le petit bruit? Par là, hein. Oui. Je me demande d'où vient ce bruit. Bah ouvre. Non, c'est pas par là alors. Alors c'est peut-être dans le KGB. Je me souviens qu'il y a le KGB ici. Hein. Non, c'est pas ça. Alors au moins que c'était encore à l'étage. Je l'entends plutôt par là. Ah, peut-être le gramophone là? Non. Un vieux gramophone repose là. Il est entièrement recouvert de poussière et son aiguille est complètement rouillée. Bon, on va en avoir le cœur net dès que j'ouvre la porte, elle va me dire que c'est pas par là. Ah! Il dit qu'il y a quelque chose ici à ramasser. Donc les histoires vont s'entrecouper, j'imagine. Vous avez ramassé 5 cristaux rouges. Et puis quand on va upgrader un appareil photo, j'imagine qu'on va upgrader juste l'appareil photo de la personne en question. Oula. Je l'ai pas eu. Je m'ai surpris. On peut pas ouvrir. Bon alors, la lumière... Le son doit provenir de là-haut alors. Quelque chose est écrit sur une feuille. Avis à tout le personnel. Une nouvelle patiente, mademoiselle Ayako, sera admise dans la chambre 107, Rangetsu, du nouveau bâtiment en fin de semaine. Ok, Ayako, elle est en chambre 107. Mademoiselle Ayako a été introduite par le directeur Aibara. Par conséquent, nous souhaitons que tout soit mis en œuvre pour que son séjour dans notre institut soit aussi agréable que possible. Merci de traiter mademoiselle Ayako avec le plus grand soin. Ah, c'est pas par là qu'il faut aller. Non, voilà. Non, en fait, il fallait rester à l'étage, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le son provenait d'en bas. La petite sauvegarde du pauvre, hein. Excuse-moi, Léa, ça va te faire boire, mais... Comme ça, hein. Pas toujours ce qu'on veut. Ok. Non mais ça doit être là où il y avait l'infirmière. Le bureau de l'infirmière, oui, on entend clairement le son là. Et quand j'y suis allé, il m'a dit que c'était pas là. Là on l'entend bien le bruit. Attendez, examinez. Bureau de gestion. Oui, je veux bien une part du gâteau, s'il vous plaît. Hein, c'est bien gentil. Bureau de gestion. Natsubata, écrit sur la vitre. La pièce est visible entre les rideaux, mais elle est plongée dans l'obscurité. Attendez, on entendait... Oh, bah, c'est à l'intérieur. Maintenant, c'est sûr, là, je l'entends à fond la caisse, dans mon casque. Mais tout à l'heure, ça m'a dit un message, j'ai cru que c'était pas là.
Mais oui, c'est une alarme. Alors déjà, ramasse quelque chose. Là, ça me fait peur, ça. Fonction d'équipement esquive. Vous avez ramassé évasion. Bon, avant toute chose, on va l'équiper. Enfin, on va regarder ce que c'est. Même si le son nous emmerde, là. Ah bah... Alors, une fonction qui permet d'esquiver une attaque en agitant la Wiimote au moment opportun. Bah putain. C'est pas gagné, hein. Et on a combien? On en a 10. Ouais, on peut rien faire encore. Je vais vite activer le truc qui va nous enlever ce son-là. Delete, delete, delete. C'est sur le mur, c'est une chambre capelle. Oui, on va venir t'aider. C'est Madoka. C'était la voix de Madoka. L'appel vient de la chambre 103. Madoka serait-elle là-bas? Mais c'est un hôpital alors? Cet appareil doit servir à entrer un code. On n'a pas de code, on n'a rien. Bah quoi? Attendez, je réessaye. Ouais, cet appareil doit servir à entrer un code. Oui, tant qu'on n'a pas le code, ça veut pas. Bon, ok. On peut même pas bouiner. Bon, y'a rien d'autre, là? S'il y a quelque chose, là? Encore de la lecture. Il y a beaucoup de lecture dans celui-ci, hein. Cahier de l'infirmière du premier. Un vieux cahier se trouvait là. Les enfants continuent de faire des farces, ouvrant et fermant sans arrêt la porte des chambres du premier étage. Le code d'accès de la porte est modifié régulièrement, mais les enfants finissent toujours par le trouver. Le jeu de mots de passe, comme les enfants l'appellent, semble devenir populaire parmi eux. Dans ce jeu, le code de la porte est écrit quelque part. Un indice est donné, et ils doivent le retrouver. Nous avons sévèrement réprimandé les enfants, et certains ont pleuré. Le directeur souhaite que nous soyons plus vigilants à l'avenir vis-à-vis de ce problème. Si la porte reste ouverte, le directeur craint que les patients ne se mettent à errer dans l'hôpital. Si vous voyez le code d'accès écrit quelque part, veuillez s'il vous plaît l'effacer pour éviter que ce genre d'incident arrive. Ok. Et où il pourrait être écrit? Il y a encore quelque chose, hein. Là, on peut examiner? Non, mais ça, on l'a déjà lu. Non, c'est tout. Non, non, il y a encore quelque chose, là. C'est un gâteau à quoi? Excusez-moi, ça sort un peu du jeu, mais vous mangez quoi? Vous avez ramassé un cristaux. Il y a encore quelque chose ici. Plan des chambres du premier. Ce sont des informations sur le manoir. Fin juillet. Situation actuelle du premier étage. Chambre 103. Bah, c'est là où il y a Madako. Areaezuki. Mois de la pureté. C'est Madoka. Madoka Tsukimori, note particulière. La patiente est introvertie et semble persécutée par une autre patiente de son âge. Veuillez garder un œil sur elle. Chambre 104. Ingetsu, mois des ombres. C'est une mousse pralinée chocolat avec biscuits noisettes. Je n'en doute pas une seconde, ça me donne envie. Alors chambre 104, ok. Note particulière. Après la mort de Madame Inuma, la patiente a été déplacée de l'ancien bâtiment. Elle s'est confinée dans sa chambre et refuse de sortir. La poignée de porte est cassée. Nous allons être contraints d'enfoncer la porte. Chambre 105. Ugetsu. Yoriko Sonohara. Mais c'est mes copines tout ça. Note particulière. La patiente n'a aucune réaction lorsqu'elle se voit dans le miroir et ne montre pas de signe d'éclosion. Cependant... Son comportement et son humeur sont très instables, dû à la détérioration de sa mémoire. Surveillez-la de près. Chambre 106. Kazuto Amaki. Note particulière. La patiente a une sévère tendance à la kleptomanie. Veuillez rapporter les objets volés que vous trouverez. Lui reprendre ce qu'elle a volé l'énervera inutilement. Demandez-lui poliment et elle acceptera volontiers de rendre ce qu'elle a pris. Ok. Et Ayako.
notre chambre 107, Ayako, note particulière, la patiente est une personnalité très agressive. Elle s'amuse à blesser de sang-froid. Et ses farces cruelles posent problème. Elle m'a blessé à l'oreille avec un couteau. Ah oui, c'est vrai que ça pose problème. Soyons prudentes lorsqu'elle joue. Bon, très bien, mais ça me donne pas le code, ça, tout ça. Hein. J'ai pas compris. Jitsu. J'ai pas compris. Bon, on ressort. Hein. Il nous faut le code de la chambre 103. Oula, oula. Mais merde, putain. J'ai voulu changer, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, quelle erreur. Bon, en tout cas, c'est par là qu'il faut aller. Non. La porte est verrouillée. Alors, quelque part, on va avoir le code. Peut-être qu'on peut se balader un petit peu par ici maintenant. Alors, je l'adore, Nick Taras. Il marque un truc, puis il me dit pas ce que c'est, quoi. Il a marqué « Je me jitsu ». Pas chercher à comprendre, Romain, tu le sais très bien. Tu fais du mal. Tu fais du mal à tout le monde en posant la question. C'est fermé aussi. Allez, on va faire un demi-tour. Hop là. C'est mon skill, ça. Hé, les gosses. Oh, j'ai pas le temps de les prendre en photo, là. Oh, si. Allez, allez. Putain, trop tard. Bon, je change de filtre, hein, parce que je sens que ça va être la bagarre. Petite save. Du pauvre. Sauvegarde réussi. Oui, oui, je quitte tout ça. Pas besoin de m'embêter. Oh, pas de copain, là. Bon, les gamins, là, vous allez me donner le code. Je me tiens prêt, là, parce que je le sens venir. Non. Putain, c'est vrai que j'ai la table pile qui me gêne. Faudrait que je recule un peu. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, là, je peux jouer. Enfin, un petit peu plus. Ah, il y a une poupée ici. On va changer de filtre. Du coup, on a oublié de prendre la poupée en photo, hein, l'autre. C'est bon, il l'a pris, là? Oh, putain, l'enfoiré. Ça se voit qu'il y a une poupée, là, oh. Ah, là, allez. Ah, putain, je l'ai loupé encore. Heureusement que j'ai pris les mauvais filtres. Enfin, les mauvais. Voilà, je l'ai, là. La malédiction de la poupée a été brisée. Nom de Dieu. Allez, on prend la petite note, là, qui va être encore un pavé à lire pendant un an. C'est un dessin d'enfant. C'est un dessin fait au crayon. Il a dû être dessiné par un enfant. C'est une horloge? J'ai déjà vu ça quelque part, oui. On sait où elle est, l'horloge. Ok. Il y a encore autre chose. Hein. Ça clignote. Je sais pas où, mais il y a quelque chose. Putain, c'est quoi ce truc-là? Ça se voit, hein, que ça clignote. Attendez, je me retourne vite fait. Putain, c'est pas évident, hein, le gameplay, là. Non, ça veut pas. Il y a quelque chose par terre, mais... Écoutez, hein. J'ai aucun bouton d'indication. Attends, j'allume bien un peu tout. Bon, je me casse.
Je m'en vais. Bon, l'horloge, elle est pas loin. Alors, ça va pas être très agréable, mais je vais sauvegarder souvent. J'ai absolument pas envie de refaire à chaque fois les choses. Je sais qu'on peut, on peut mourir assez vite. Je vais tomber sur un petit fantôme un peu capricieux, un peu fastidieux. Bon, l'horloge, elle était pas là. Hein. Il y en a une qui est là, par contre. Mais si, c'est celle-ci. Sur cette ancienne horloge, les phases de la lune sont représentées à la place des heures. Des tranches d'entailles sont présentes à sa base. C'est la même... Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Ça vibre. Je sens une forte perturbation. L'appareil photo posséderait des pouvoirs. Il se passera, peut-être quelque chose si je prends une photo. Ah oui, d'accord. Ok, on est bien là. Allez, ma petite Wiimote. Mets-toi bien, on va se rapprocher. Bon, là, on n'est pas bien là pour toi? J'ai l'impression que c'est pas bon. Hein. Non, il veut que je sois plus près? Ah, en fait, c'est là. On a le code. Quelque chose est apparu. 8395. Code de la grande horloge. Ouais, 8395. Ok. Allez. On va aller vite faire mettre le code. Il va bien y avoir une apparition, un fantôme, quelque chose, non, non? Infirmière demandant assistance. Oui, c'est moi qui vais demander de l'assistance. C'est bon, je l'ai eu. C'est juste une apparition. Allez. Ah, ça met un petit stress hein, quand même. Hein. Pas mal fait. Moi, j'ai le casque à fond, là, comme d'habitude. Allez. Et puis, avec la Wiimote et tout, on n'est pas très à l'aise avec le gameplay. Et on a envie de jouer bien. Alors, c'est quoi ça? Pivoter la Wiimote, tourner, B, quitter. Oh là là là. C'est écrit fermé et ouvert. Les boutons tournant servent à changer les chiffres. Pivoter la Wiimote. Voilà. C'était quoi 8395? Comment je fais pivoter la Wiimote, tourner? Ah oui. Et ça marche bien en plus. J'aurais dû commencer par l'autre bout. Et ça marche très très bien. J'avais très très peur. 8000. 300. Regardez, ça marche très très bien, pardon pour le micro. 300. Non, on va passer dans l'autre sens. Putain. Non, bon allez, on passe par là. Il veut pas revenir en arrière. Ok, et le dernier, 95. C'est bon. La porte des chambres du premier étage est déverrouillée. D'aller dans quoi? Couloir des chambres, ok. Donc là, on est là, on va pouvoir aller à droite. Parfait. Oula, oula. Allez, c'est bon. Elle est pas morte?
Moi j'ai peur qu'elle soit derrière moi en fait. Ah c'est bon. C'est bon. Allez c'est bon. Ah bah l'infirmière elle est pas trop. Elle est pas trop dure. J'ai envie d'aller sauvegarder. Je vais sauvegarder. J'ai pas envie de tout refaire. Un petit peu petit joueur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un petit joueur. Sauvegarde réussie. Oui, je veux quitter, s'il vous plaît. Alors là l'idée c'est que on sait que les 5 filles ont été kidnappées, elles sont retournées sur l'île pour en savoir un peu plus. Mais alors du coup quoi, elles ont été kidnappées ou elles ont été dans un hôpital psychiatrique? C'est quoi cette histoire? On est embarqué dans quoi là? Mais j'aime beaucoup l'idée qu'on incarne chacune d'entre elles. On va voir leur destin se croiser. Bah quoi? Non, c'était ouvert. La porte est verrouillée. Ah c'était de l'autre côté? Je me serais trompé sur le plan. M'étonnerait pas. M'étonnerait pas de moi de m'être trompé avec ma gauche et ma droite. Ouais, c'est ici évidemment. La porte a été déverrouillée. Voilà. Alors j'ai reculé un peu, je suis un peu plus petit. Mais bon, ça me permet de manœuvrer un peu mieux avec tout ce merdier. Quelques feuilles de papier sont attachées au tableau. Le texte écrit sur les feuilles est devenu lisible. Bon, ça on l'avait déjà lu. On se souviendra que dans le musée... Bah d'ailleurs on y va là au musée. Non, c'est à l'étage. Alors, faut pas qu'on se plante hein. Déjà on va mettre le... Il me dit qu'il y a quelque chose par ici. Vous voyez la lumière bleue là. C'est parti. Faut pas que je me trompe hein, de chambre. Est-ce qu'on on peut voir les numéros là, s'il vous plaît? Non, je veux la chambre. Non, on n'a pas les chambres. Là, on a quoi? Si, ça c'est la chambre 107. On avait dit qu'il fallait prendre la chambre de Makoto. Hein. Elle était dans la chambre 103. Ouais, donc on recule et puis c'est la première. C'était ça notre mission quand même, c'était retrouver Makoto. Et il y a un truc par terre. Ah oui, ils ont été obligés de défoncer sa porte là, je me souviens. Testament d'une patiente. Une vieille lettre avait été laissée près de la porte d'une chambre. Quand vous lirez ceci, je ne serai plus de ce monde. Ma mère est morte en me donnant la vie pour me protéger. Mon père et mon frère sont morts par accident. J'ai perdu toute ma famille. Quand je pense à elle, la culpabilité me ronge d'être la seule survivante. Mais ma maladie me vole même... Mais ma maladie me vole tout, même ça. La famille qui vit dans ma mémoire meurt peu à peu et je ne peux rien y faire. Je vis toujours alors que les gens que j'aime meurent en moi. Je ne le supporte plus. Je suis même terrifié de perdre mon sentiment de culpabilité. Je n'aurai bientôt plus peur de perdre la mémoire. Je n'aurai bientôt plus peur de perdre ma famille à nouveau. Je vais quitter ce monde pendant qu'il me reste encore quelques souvenirs. Je dois le faire tant que je suis encore moi-même. Bah, très bien, c'est très gai, c'est très bien. On peut l'ouvrir, ça? Une vieille commode japonaise repose là.
Des blouses y sont rangées et devaient servir aux examens médicaux des patients. Non, on peut pas. Non, mais on va ouvrir cette porte-là. Je pense que c'est celle-ci, hein, c'est la chambre. On peut lire avant d'ouvrir. Allez. Bon, je regarde la carte. Vite fait. Oui, c'est ça, c'est bon, on est dans la chambre de Madoka. On se plante pas. Non, parce qu'il y en a une qui est terriblement méchante. Cette voix, c'était Madoka. La porte est verrouillée. Cinématique, ça? Dieu. Allez. On fuit et on les nique. Oh la putain. Ah putain, j'ai loupé. Merde, mais c'est pas ça que je veux faire. Allez. Allez, hop. Ce qui serait bien, c'est d'en tuer un. Pour pas avoir les deux sur le dos. Ah putain. C'est pas simple du tout, hein. Oh putain. Et je vais crever là. Oh putain, je me remets de la vie. En plus, je me plante dans les boutons. Mais j'ai pas de vie. Ah oui, là, c'est marche ou crève. Allez. J'en ai eu un. Allez. Putain, j'arrive pas là. Allez, c'est bon. Fou. Tendu, mais c'est bien. Ça, c'est des vrais combats. Ah, excellente idée, hein. Qu'est-ce qu'il y a de quoi? Et ma manette qui vibre. Encore un charme à rompre. Oh, j'ai chaud, j'ai le slip trempé. Quelque chose est apparu. Qu'est-ce que c'est ça? Salle des livres. Faut qu'on aille à la salle des livres. L'image montre un endroit où il y a beaucoup de livres. Ok. Du coup, je sais même plus où je suis. Ok. Cette porte-là, on peut l'ouvrir?
La porte est solidement fermée. La poignée de porte est manquante, il est impossible d'ouvrir la porte. Par contre, il me montre encore quelque chose. Hein. Là, il me dit qu'il y a quelque chose à prendre en photo. Oui, il y a quelque chose. Allez. Putain, j'ai cru que le jeu avait bugué. Vraiment. Femme pendue. Bah, vu qu'on joue avec le jeu original avec le patch FR, je me suis dit, ça se trouve, il y a un bug. Femme pendue. Quelque chose d'apparu sur la photo. Ok, ça nous fait des points. Bon, là, on peut pas ouvrir. J'aime pas quand elle fait ça. Ce serait bien de nous refiler un peu de vie, là. Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Delive est un poste de Galen, sont éparpillés. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est pas le même personnage, mais elle pense exactement la même chose quand elle voit les choses. Donc là, c'est un petit peu... incohérent. Des livres sont tous en très mauvais état et ne semblent plus être d'aucune utilité. Ah, remarque, c'était peut-être pas exactement la même chose. Ouais, donc elles étaient patientes, hein. Bon, faut qu'on trouve une salle de livres. Alors ce plan-là, quand on sort, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous observe du lit. Moi, j'ai envie d'aller sauvegarder, hein. Vous me connaissez. Ah, ouvrir. Enfin, ouvrir, ça va être la porte. On l'a déjà fait, c'est fermé. Bon, on va sauvegarder. Parce que le combat, bon... Ah, il y a une poupée. Mon Dieu. J'ai failli la louper. Allez, putain, la Wiimote. Pas simple. Hein. Allez, troisième poupée, je crois. La malédiction a été brisée. Ok. Ah oui, on a plus de vie, on a plus rien. On va se barrer de cet enfer. Et je regarde... Putain, mais c'est chiant, à chaque fois, je ne sais pas quel bouton c'est. Ah non, c'est vraiment ce bouton-là, en fait, c'est bon. Pour la carte. Ouais, on a tout fait. Allez, on se casse. Faire une petite save. Hein, examiner. Il y avait quelque chose à examiner là. Des fleurs desséchées sont dans un vase. Ok, bon, c'est tout. Non, parce que moi je suis à l'affût de la moindre truc de vie. Enfin, un soin. Et un lime examiné. Une vieille commode japonaise. Bon, on l'a fait mille fois. Ça n'a jamais rien donné. Alors, petit chargement. Alors la sauvegarde là va vraiment être la bienvenue. En général, ils nous mettent un petit indice, un petit fantôme qui passe, quelque chose. Là, on n'a rien du tout. Ah. Oh là, oh là, oh là. Je l'ai loupé. Elle était en haut des escaliers. J'ai eu peur parce que c'était en rouge, donc j'ai cru que c'était un fantôme à abattre. Petite save. Petite save, petite save. Bon, écoutez. On va se laisser ici, hein. Oh, bah, j'ai mon fond vert qui déconne à fond. Ah oui, je me suis reculé, alors, forcément. Donc, c'était l'épisode 2. Pas la partie 2, on a changé les termes, maintenant. C'est des épisodes. Hein, on se modernise, on essaye de faire une chaîne propre, proprette. Donc, c'était la partie 2 sur Wii U. Avec le patch FR, on remerciera jamais assez l'équipe qui a fait la traduction, qui est très très bonne. Le jeu est très bon. Le jeu est très bon, le fait de manier la Wiimote et le Nunchuk pour prendre les photos, c'est très très bonne idée. Ça me plaît. Et du coup, ça rend les combats un petit peu plus stressants. C'est très très bien. Il faut que je m'y fasse encore un tout petit peu. Surtout quand il s'agit de prendre les photos en hauteur. Bon. Et puis, ils sont assez véloces.
Ils bougent beaucoup les fantômes, faut courir, faut vite se retourner. Bon. Heureusement que j'ai déjà des Fatal Frames derrière moi. Hein. Parce que sinon, je pense que quand on est un nouveau joueur, on peut vite être un peu perdu. Mais en tout cas, ça me plaît énormément. Voilà, excellent jeu pour le moment. Je vous dis. Qu'est-ce que. Ouh là là, j'ai un message que j'ai zappé. C'était marqué quoi? La x3 ce soir. Excusez-moi si je l'ai lu hein, complètement en retard, là, Léa, ton message. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait grand plaisir. Parce que je prends moi-même grand plaisir à streamer ce genre de contenu. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous appréciez. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Tout est à Bosseron14. De toute façon, vous tapez Bosseron14, vous allez tomber sur mon Instagram, sur mon YouTube. Voilà. Allez, je vous embrasse fort, je vous laisse sur mon excellent générique de fin et je vous dis à demain 21h30 pour la suite. J'ai hâte d'y être. Ça a l'air terrible. C'est vrai, le jeu a l'air mortel, hein. Je suis très content. Je suis très content, sachant qu'après on aura le 5. Alors ça, avec le gamepad de la Wii U, ça va être encore autre chose. Allez, je vous embrasse. Cette fois, c'est la bonne. Tchuss. We'll be right back.